T'as vu sur ma moto? Ouais, elle tape. Elle a rétréci un peu. Tu l'as mis au lavage. Ouais, en fait, tu l'as lavé. Ah merde, je l'ai lavé à 60. Ah bah c'est pour ça. Oh le con. Non, je déconne, juste là. Là, on est sur une petite 85 SX 2023. Ouais. Okay. Celle où on vous a fait la vidéo où on l'offrait la smioche là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui avait avant cette brelle là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je suis un grand fan des 85. Même que je sois trop grand pour, tu vois. Ouais. Donc je vais m'échauffer gentiment avec ma moto. Le terrain a l'air pas mal, on est jeudi à Sesnien. Et on va tester cette petite KTM, ok? Parce qu'on avait monté une KTM au mois d'août, qui était pour quelqu'un d'autre, pour un autre Nathan. Ouais, c'est vrai, pour un autre Nathan. Les Nathan hein. On lui a offert, mais on n'avait pas pu la tester. Ouais. Et là, celle-ci, on va pouvoir la tester. Donc on va tester tout de suite cette magnifique moto, ça doit craquer. Je laisse Nathan faire le rodage avant, et on y va. Satisfait? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça a l'air d'aller pas mal. Ouais, c'est pas mal.
Kiff kiff avec une gaz-gaz, tu vois, pour ouais, moi. Ouais, exactement. Moi, c'est les mêmes, de toute façon. Quand je te vois rouler, kiff kiff avec une gaz-gaz. Faudrait voir avec une Kawa, mais. Mais on est pas mal. On est pas mal du tout. Comparer une Kawa, ouais, peut-être comparer à la sienne, je sais pas si une différence, vous allez voir ça. Ouais, faudrait qu'on y teste. Faudrait qu'on y teste. Peut-être que si vous êtes chaud, on vous le teste dans une prochaine vidéo. C'est vrai. Donc vous le dites en commentaire, on compare la Kawa à celle-ci avant qu'il la rende. Ouais, parce qu'il va pas tarder à la rendre. Voilà. Après, je pense, sans vouloir faire le gars, je pense qu'on est au-dessus niveau beaucoup de choses. Sur un terrain comme ça, niveau pêche, niveau suspension, niveau tout. Parce que disons que celle-là, c'est en gros, c'est la miniature de la 125, tu vois. Ouais. Donc, tu te sens déjà bien à l'aise avec, quoi. Bah, t'es à l'aise et puis les suspensions et tout, c'est déjà vachement profondi, tu vois. Donc, je pense qu'on est vraiment pas dégueu. Alors que la Kawa, c'est vraiment la moto de base qu'il faut pimper si tu veux qu'elle, tu vois. Ouais, qu'elle élastique, quoi. Faut mettre la pièce si tu veux qu'elle élastique et qu'elle. Et puis qu'elle réagisse bien au coup. Si tu veux des bonnes suspensions, il faut tout changer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, tu reprends ta brêle. T'as l'air de bien l'apprécier. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est une vraie merde cette moto. Hein? Une vraie merde cette moto. Non, c'est l'autre qui est une vraie merde. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez le test, le comparatif avec la Kawa, vous nous le dites en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous. Ciao.